Bienvenue à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons sur Far Cry Primal pour l'épisode 31. C'est parti. Ah voilà, hein, bon, c'est toujours les mêmes. Toujours les mêmes cinématiques, mais bon, c'est un peu triste parce que là, on a fait le fort. Donc du coup, ça aurait pu être intéressant de mettre une autre cinématique quand même. Enfin, un autre flashback plutôt. Et mais bon, c'est un mauvais choix, je trouve, par rapport à cela. Parce que pourtant, le camp nous a permis de capturer justement un Oudam qui nous aidera à fabriquer donc des bombes. Et ça doit certainement être Bomber, ça. Alors, je vais quand même confectionner dès maintenant. Je n'ai pas les ingrédients. Ok. Alors en plus, on avait fait quelques petites choses dans le village. C'est très bien. Faut continuer ainsi. Ah non, c'est X, hein. On est d'accord. Je m'étais pas trompé. Est-ce que dans les bêtes, on a... Bah non, du yak. Ah, c'est dommage. J'aurais cru qu'on aurait pu avoir mieux, mais non. Ah. Confectionner. Qu'est-ce qu'on peut confectionner? Alors, attendez, l'arc. Non. Parce qu'honnêtement, on a l'arc long. Donc, tant qu'à faire, vaut mieux attendre. Là, il nous faut du cèdre du Nord rare. D'accord. Bah, on attendra. Bon, à mon avis, là, par contre, on peut se faire plaisir, le yak. Je vais attendre parce que il suffit qu'il nous faut du yak. Et on l'a dans le baba. Bah, on l'a ramené. Da, on l'a ramené. Justement, je crois qu'en fait, il faut parler à l'une des personnes. Type, peut-être, ici, là. On va regarder un petit peu, il y a quoi de, sur la carte. Bon, le mammouth, on le sait. Bon, c'est encore un mammouth à battre. Mmh. Ouais, bon, bah, je pense qu'on va rester sur... Ah, quoi que, attendez. Non, fabricant, qu'est-ce que... C'est juste pour le village, ça. Je pense pas que c'est pour autre chose. Ah, attendez, ah, il me manque toujours un ours des cavernes, donc c'est pas la peine. Ok, on va lui parler. Takar, winja wantar, shaska himshalla, masi waichai hatra wana, palhu sashwalim huhaya, ukauhi waida, tu sasakui. D'accord. On y va. On va faire celle-ci. Du coup. C'est ici. On va aller au bûcher. Ce sera plus rapide, je pense. Hein. C'est plus appréciable. J'aimerais bien aussi que le village soit complété quand même un peu plus. Bon là, normalement, on a un peu plus de résistance, hein, donc ça devrait le faire. Le yak, je préfère vraiment pas l'utiliser, parce qu'il suffit que Da, ou la personne qu'on chopera certainement chez les Zila, a besoin de yak, et là on l'aura dans le baba. C'est vrai qu'il nous faudrait toujours un loup tigré, c'est le seul que l'on n'a pas pour le moment. Ah, il me faut encore un peu de cèdre rare, ce serait super. Mais on en chope tout le temps, quoi. Bah écoutez, je viens d'en choper 3. Plutôt worth it, hein.
rose aurore. Je pense pas qu'il y en a besoin pour les villages. Ah, puis c'est là qu'il en faudra et j'ai été déçu. Bon, puis après, c'est que des roseaux, donc c'est pas non plus la chose qu'on voit le moins dans le jeu. On a l'arc debout. Alors, ici, qu'est-ce qu'il nous demande? Oh, ça, tu peux. Y'a pas de souci. Y'a pas de souci, tu peux prendre. Pour ce brin? Pourquoi pas. Plume rare. Je pense que ça peut le faire. Je pense pas qu'on en aura besoin pour autre chose. Je pense pas, je l'espère. Loup blanc, ça se trouve facilement. Peau de bête. Sont de rose. Ça peut encore se trouver. Voilà. Ah, ça, c'est pas un petit arc, ça. Si vous voulez vraiment faire mal, cet arc est magnifique. Du sang de rose, en plus, on peut retrouver, donc c'est parfait. Je veux du bois. Parce que je vais reconfectionner quelques flèches. Voilà. Ah, élément manquant. Je viens de bousiller tous mes morceaux de bois. Bon, normalement, si on prend la capacité de pouvoir créer encore plus de flèches, c'est sûr, on en utiliserait moins, mais bon. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire. On va fouiller la grotte. C'est bien par là. Attendez. C'est par là, mais après par où? Et par hasard, ce serait pas noté sur... On sait jamais. Hein. Non. Bon, je pense que ça, c'est vraiment dans la grotte. Ouais. Donc elle va pas être très très loin. Ben, il faut bien continuer par ici. Ouais, donc c'est la grotte qui est aux alentours, quoi. Alors, on prend un gourdin, on va l'enflammer. Je sais pas s'il est derrière ou quoi, mais il y en a un qui meurt. Oh, regardez, il est mignon. Oh, le salaud. Il est bien eu. Eh, hey, mais il était pas tout seul, en fait, lui. D'accord. Bon, bah, vu qu'ils veulent s'amuser, on va s'amuser avec eux. Bah, il veut plus venir? Reviens. Oh, bon, j'ai pas peur. Alors, quelle touche? Ah, parce que généralement, faut appuyer sur les touches. Hein. Quand on vous chope comme ça, force au gros point, quoi. D'accord, lui, il veut attaquer aussi. Voilà. On n'en parle plus. Donc, on va fouiller. C'est par là et ensuite c'est par ci. Non, faut continuer à monter, d'accord. Et ensuite, encore en hauteur. Ah d'accord, il est là. Viens mon pépère. Inquiète pas, les bêtes elles vont être mortes.
pas trop un problème ça. C'est bon? Ah, il y en a encore d'autres. Bah d'accord, mais oui, mais venez, venez. Oh. Oh. Le salaud. Ah, je t'ai eu. Tu vas arrêter de courir, toi. T'aimes pas le feu? Ah non, il aime pas du tout le feu. Il se coule exprès pour enlever le feu. Le pauvre. Il se prend. Il aime bien me faire courir en bourrique. Il me fait tourner en bourrique. Enfin, pas courir en bourrique, mais tourner en bourrique. Reviens, salaud. Allez, reviens. Stop. Il fait exprès. Mince. Là, j'ai pas de feu. Tu devrais pouvoir m'attaquer. D'accord, on y va pas. Ouais, bon. C'est pas très très la rigolade, donc se battre avec toi. Ok. Ben voilà. La grotte aux ossements, c'est fait. Un villageois de plus. On a beaucoup de points de compétence. Oh, ouais, quand même. C'est pas utilisé depuis le temps. Je pense que je vais compléter ma survie, hein. C'est vrai que ça peut être aussi intéressant d'avoir encore moins de coups, mais là, on subit pas grand chose, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, du coup? Vu que là, on vient de faire une mission, autant compléter des petits avant-postes ou autres. Alors, il y a un bûcher, mais le bûcher serait, il faudrait plus aller par là, je suppose. Allez, regardez. Là, on voit. On voit qu'il y a une route. On pourrait pas passer comme ça ici. Donc, d'accord. Bon. Éventuellement. Peut-être pour être tranquille. Il y a un avant-poste en très difficile. Sinon, il y a un bûcher. Bon, je pense qu'on va jouer avec la distance. Ouais, on va se mettre sur le bûcher. Voilà, comme ça, ça fera une chose de plus de compléter. Tranquillement, mais sûrement. Voir éventuellement si on fait pas l'avant-poste. Mais l'avant-poste, je préfère les faire plus discrètement possible si j'y arrive. Parce que je vous avoue que des fois, j'ai l'impression que le jeu n'a vraiment pas envie de me laisser... faire ce que je souhaite. Ok. Il y a des envahisseurs, il y a une escarmouche. Oh punaise, alors vous. Alors vous. C'est clair et net. Je vous castagne à coups de gourdin. Hein? On est d'accord? Le gourdin, c'est génial. Non, vraiment, le gourdin, c'est une arme très très fort. Que je recommande. Surtout pour lancer la double. Elle est très bien. À demain plutôt. Encore? Il allait se refaire attaquer. Bon, attaquez-vous. Laissez-moi tranquille. Je vous fais rien. Je vais vous attaquer sagement. Par contre là, il y a quelqu'un qui est mort. Ah bah oui. C'est un singe. Désolé, petit singe. Ah, il y a un point tout près. Oh, je pourrais descendre parce qu'en fait le bûcher n'est pas très loin. C'était où? Ici. Ouais, voilà, on va descendre. T'inquiète pas, je t'attaque pas. Je ne t'attaque pas, petit singe.
essayer de voir. Alors. Non, c'est... Ah, c'est vrai, il faut pas faire ça comme ça, faut attendre. Non! Je sais plus comment on... Ah non, c'est juste une fois... Ah! Non, mon os balafré! Ah, je peux pas le réanimer? Ah bah, hip alors. Ok. Dans le sabre. Et tu me le tues, hein. Fais pas genre, non, non, je vais pas le tuer, hein. Celui-là, maintenant. Celui-ci. Ah mince, il est pas mort. C'est pas grave, vous inquiétez pas, il va mourir. Oh, le pauvre. Voilà, ça va être compliqué, hein. Oh, je sais pas. Non. Il l'aura pas. C'est pas grave, t'as bien combattu. Laisse-le! Ouais, là, on voit qu'on subit quasiment rien. C'est un truc de fou. D'habitude, je me prendrais une de ces tollées. Donc à partir de cette... Cette compétence, c'est complètement craqué. Oh ouais, t'inquiète pas, tu es soigné, mon ami. Mon ami le croix de saint. Et voilà. Bah du coup, on va pouvoir s'arrêter au niveau du bûcher, les amis. Il nous restera 3 bûchers à faire, et on aura fini avec cela. Donc c'est très bien. C'est très très bien. Je vais juste reprendre un petit peu d'herbe et autres. En fait, j'ai l'impression que j'en ai plus des herbes. Non, il y en a plus des feuilles rouges. Dommage. Pas de peau, pas de peau. Et on aura une compétence, mais je pense pas qu'il y en ait deux. C'est juste une seule. Ouais, donc c'est pas forcément intéressant. Donc voilà les amis, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. On se voit donc pour les prochaines aventures sur Far Cry. Mal, et ce n'est pas un loup tigré, dommage. Sinon, je l'aurais pris. Je l'aurais capturé tout de suite, mais ça n'est pas un. Donc voilà, on se retrouve pour de prochaines aventures, les amis. Je vous dis donc à très bientôt, et salut à tous!